Abandonne, si t'aimes les cailloux, lève les genoux. Si t'aimes les cailloux, lève les genoux. Si t'aimes les cailloux, lève les genoux. Mais si t'aimes tes genoux, lève les cailloux. Si t'aimes les cailloux, lève les genoux. Si t'aimes les cailloux, lève les genoux. Si t'aimes les cailloux, lève les genoux. Mais si t'aimes tes genoux, lève les cailloux. Petit clin d'œil au Ménestrel. Qui est Ménestrel? C'est un trailer incroyable qui se balade avec sur l'un de ses deux bâtons un ukulélé et qui pousse la chansonnette de jour de nuit sur les monotraces, au ravito. Il était cette année sur l'échappée belle intégrale, 149 km, 11 400 avec un ukulélé. Chapeau bas, le Ménestrel. Alors le but de cette vidéo est très simple, c'est vous faire part de mon expérience en 2017 et 2021 sur l'échappée belle intégrale, 149 km, 11 400 de dénivelé positif et négatif, afin que vous puissiez, à travers des conseils, des remarques, des indications sur ce qui m'a semblé être les moments les plus délicats ou les plus difficiles, rassembler une somme d'informations dans votre préparation à cette course et de mettre en quelque sorte le maximum de chances de votre côté pour la réussir. Je commencerai tout d'abord par un bref historique. La course a été créée en 2013 et elle a été placée dès son origine une semaine avant l'UTMB. Donc c'est une course qui a lieu en Savoie, à Aiguebel, à côté il y a l'UTMB. Une semaine avant il y a cette course, son espace de vie, sa visibilité était, je dirais, fortement entamée. Et pourtant, la première édition est une édition mythique, c'est-à-dire qu'il y a eu très peu de finishers. La légende dit qu'il y en a eu un tiers, peut-être moins. Alors cette course aurait dû disparaître, parce que très éliminatoire, parce que dans l'ombre de l'UTMB, finalement c'est exactement l'effet contraire qui s'est produit. Elle est devenue quelque chose d'un peu underground, un peu d'initié, et maintenant elle s'est imposée comme l'un des ultras, si ce n'est l'ultra de référence pour cette distance, en haute difficulté, dans les parcours alpins, et peut-être d'ailleurs au-delà. C'est-à-dire que vous faites l'échappée belle, vous avez fait sans doute la course la plus belle et la plus dure. J'ai tendance à dire que c'est le plus beau des plus durs des ultras de France, et peut-être, en tout cas au-delà. En tout cas, elle est dans le top 10, ça, je crois que tout le monde sera d'accord pour dire qu'elle est dans le top 10. Une course incontournable. Et ce qui est beau, c'est que l'organisation, au lieu de se saisir de la manne financière qui est venue, en ouvrant le nombre de places, en faisant venir de plus en plus de participants, mais finalement, a décidé de garder la même structure, le même nombre de participants, le caractère intimiste, et vous avez une ambiance qui est très particulière dans ce cours. C'est-à-dire que vous venez sur ce qui est aujourd'hui un mythe, et au lieu d'avoir tout ce barnum, tout ce décorum que l'on peut trouver à l'UTMB, j'ai rien contre l'UTMB, je suis UTMB fan, mais je reste objectif, je reste lucide. Au lieu d'avoir tout ce décorum et ce barnum, eh bien vous avez quelque chose qui est resté très simple, très humain. C'est un ultra qui vous demande un effort inhumain, mais qui se réalise dans une ambiance d'une très grande simplicité, d'une très grande humanité. Et ça se ressent au niveau de l'encadrement, ça se ressent au niveau des bénévoles. Il y a une proximité qui est vraiment très très agréable. J'ai parlé avec un des trailers, Magloire, d'ailleurs Magloire, si tu me vois, salut, bonjour, j'espère que tu vas bien. Il me disait qu'une année il faisait la course, une année il était bénévole sur l'échappée belle. Et son cas n'est pas un cas isolé, c'est pas un cas isolé. Donc il y a quelque chose de très particulier dans l'ambiance de cette course. Et ça aussi, ça vaut le détour. Alors pourquoi c'est une course difficile ? Eh bien, quand on voit le ratio distance dénivelé, déjà on se dit 11 400 pour 149, ça fait un gros dénivelé. Mais surtout, c'est la nature du terrain. D'abord, vous avez quasiment exclusivement des monotraces. Il doit y avoir plus de 90% du parcours qui est en monotrace. J'ai quasiment pas le souvenir de passage en DFCI, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et en plus, tout cela se réalise dans un milieu très montagnard. La cotation en difficulté de cette course, je crois que c'est 11. Peut-être que c'est 11,5, peut-être que c'est 12, mais je pense que c'est 11.
Et vraiment, hein, c'est pas volé parce que vous évoluez dans un terrain qui est très caillouteux, très rocheux. Le truc de Belledonne, c'est le caillou. Alors vous avez tous les types de cailloux. Vous avez le petit caillou, vous avez le caillou, vous avez le moyen caillou, vous avez le mouse caillou, puis vous avez le bloc. Vous avez le gros bloc. Et même sur du plat, il y a toute une section dont je reparlerai tout à l'heure qui est sur du plat. Bon, ben vous sautez de bloc en bloc. Alors évidemment, ça rend pas la progression facile. Il y a des descentes à Belledonne. Vous allez mettre peut-être tout autant de temps que dans les montées. Il faut en avoir conscience. D'autre part, c'est une course qui est d'une beauté mais époustouflante. La particularité de ce massif de Belledonne, c'est que c'est une dorsale qui domine la vallée, la grande vallée du Grésivaudan, qui va de Grenoble à Albertville. Et vous êtes sur cette dorsale et vous avez en point de mire, vous avez le massif du Mont-Blanc, vous avez la Chartreuse, vous avez le Vercors, mais vous avez aussi l'Oisans, vous avez le massif de Tateroussе. C'est un belvédère. Dès que vous êtes sur les crêtes, c'est un belvédère. Et c'est vraiment très très beau. C'est vraiment très très beau. En plus de cela, c'est un massif qui regorge de lacs, qui sont certains qui ont une couleur incroyable, comme le lac blanc, je crois, qui d'ailleurs n'a pas une couleur blanche. Si vous allez voir ma vidéo que j'ai réalisée sur ce parcours, vous verrez, il a une couleur incroyable. C'est vraiment très beau. Et puis vous montez aussi, vous montez, vous passez des cols à 2600, 2500, et vous allez jusqu'à 2926 mètres, puisque le point culminant de ce parcours, c'est la Croix de Belledonne. Et là, 2926 mètres, c'est haut quand même pour du trail, c'est haut. Alors vous partez le vendredi matin du Vizil à 6 heures et vous devez rejoindre Aiguebelle en 54 heures, ce qui nous mène au dimanche midi. Il y a aussi quelque chose dans la manière d'appréhender la notion de finisher à l'Aiguebelle. C'est-à-dire que si vous débordez de 7 minutes, vous arrivez à midi 7, vous arrivez même à midi 30, ils vont pas vous déclasser. Ils vont vous mettre dans le classement parce que tout simplement vous êtes battu et vous avez débordé de un quart d'heure, de 7 minutes, de 20 minutes. Ils vont pas vous déclasser pour ça. Donc je trouve ça vachement bien parce que franchement, tous les trailers qui se battent sur les limites des barrières horaires, ça doit être très très dur. Et les arrêter parce qu'il leur manque 5 minutes, c'est quand même c'est un peu sauvage de faire ça. Vous avez deux solutions pour le départ. Alors, soit vous faites envoyer le dossard, vous recevez le dossard chez vous, et vous pouvez prendre directement le vendredi matin à 6h le départ au Vizil. Autre solution, vous allez à Aiguebelle, vous dormez à Aiguebelle, et le lendemain, vous prenez la navette qui vous amène de Aiguebelle au Vizil. Ça fait 1 heure et quart, je dirais, de route. Bon, le problème dans cette seconde option, c'est que vous allez vous réveiller à 2h30 du matin pour prendre la navette à 3h, et puis vous débarquez là-bas au Vizil à 4h30 et vous attendez le départ. Il y a une collation, il y a un déjeuner, il faut bien le dire, ça je l'avais oublié, mais vous arrivez avec Belle, vous avez le petit déjeuner qui est là, et vous pouvez tranquillement prendre le petit déjeuner, et puis après vous allez dans le sas de départ, et hop, à 6h, c'est parti pour la grande aventure. Alors pour ma part, 2017-2021, j'ai toujours fait pareil. Je me suis garé avec Belle, j'ai dormi avec Belle, j'ai pris la navette. Ça m'a jamais vraiment desservi. Donc je trouve cette option très bien. Maintenant, l'option Dossard, ce qui est bien dans l'option Dossard, c'est que ça vous fait peut-être rouler moins. Je sais pas, c'est peut-être pas mal pour le bilan carbone. Voilà. Je sais pas. En 2017, je vais au départ. Là, c'était mon deuxième ultra en 2017, donc je savais que j'allais contre quelque chose de très dur. J'ai pas beaucoup de références. Et il y a un gars qui vient, qui accompagne son ami, qui fait pas la course et qui me dit, tu sais que c'est une course très dure. Il y a un trailer sur trois qui la termine. Bon, le mec, il me dit ça. Au moment où je prends le départ de l'échappée belle, je veux dire, d'un point de vue psychologique, tu peux pas être, tu peux, on peut pas plus mal te mener, quoi. Bon, finalement, je l'ai terminé en 2017, mais bon, franchement, c'est pas des trucs à dire, quoi. Alors la course. Parlons de la course. Je vais la décrire et pour cela, je l'ai divisée en trois parties. La première partie, terrible première partie, va du Vizil au Plainay, la deuxième partie du Plainay à Supercollet et la troisième partie Supercollet
Egbel. La première partie. Alors, cette première partie, elle est redoutable et redoutée, mais j'aimerais mettre l'accent sur les parties qui sont, entre guillemets, roulantes, voire même pas entre guillemets. Il y a des sections de cette première partie qui sont roulantes, où on peut avancer, et j'aimerais en parler parce que finalement, on met rarement la lumière dessus. Premier segment, vous partez du Vizille, vous allez à Arcelles. C'est 17 km et c'est à peu près 1500, un peu plus de 1500 dénivelés. Globalement positif, il n'y a quasiment rien en descente sur cette première section. Très vite, dès que vous quittez le Vizille, vous avez une grosse montée. Vous allez faire très vite le gros du dénivelé sur ces 17 km. Et après, vous avez une section qui est relativement roulante. Mais vraiment, relativement roulante. C'est un endroit où vous avez des chemins larges, parfois quelques parties en piste. On croise quelques petits morceaux de route, vraiment très courts. Et finalement, ça peut aller vite. Vous êtes frais. Bon, il faut évidemment il faut gérer. Mais cette première partie, elle n'a rien de ce qui vous attend. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les gros cailloux, il n'y a pas la fameuse réputation de Belle Donne. Elle n'est pas là. Donc, vous êtes dans quelque chose d'assez classique. Et vraiment, ces 17 km ne vont pas vous faire perdre du temps. À partir du deuxième segment qui va de Arcelles jusqu'au refuge de Lapra, vous allez rentrer progressivement, et j'insiste sur le progressivement, dans le royaume du caillou. Vous sautez de bloc en bloc, c'est très particulier. Sauf si vous faites de l'alpinisme ou de l'escalade, ça l'est moins. Donc cette deuxième partie, vous allez rentrer progressivement dans ce monde du caillou. Il y a deux grands rendez-vous, il y a le col de l'Infernet, puis après le col de la Botte, il y a les premiers lacs, c'est très beau. C'est pas encore très technique. Donc finalement, vous allez arriver au refuge de Lapra, ce qui correspond au 28e, 27e kilomètre, et il n'y a pas eu encore le grand choc technique. Il vient après, parce qu'après le refuge de Lapra, vous montez à la croix de Belle Donne, et là, vous entrez dans le fameux AOP Belle Donne Caillou. Et bien voilà, là il faut commencer à sortir le courage et l'énergie, parce que vous allez avoir des pentes raides, des pentes caillouteuses, pas faciles, jusqu'à la croix. Et quand vous êtes à la croix, vous allez descendre, il y a un petit mélange caillou-névé pendant un bon moment. Toute cette section, elle est difficile. Vraiment, ça commence à être difficile. Donc, préservez votre énergie jusqu'au refuge de Lapra. Et dites-vous qu'à partir de Lapra, vous allez rentrer sur une section Lapra-Jean Collet, difficile. Après Jean Collet, vous montez dans des alpages, ça va bien, vous arrivez au col de la mine, immédiatement derrière, vous avez la brèche de la roche percée, ça se succède très vite, et là, vous avez du technique aussi, vous avez du caillou. La descente après la brèche est une descente typique Belle Donne, où c'est pas facile de courir. Mais après, vous avez toute une section qui doit être de 4 km au bas de la descente de la brèche jusqu'à Aberdeckbel, qui fonctionne très bien. Là encore, c'est une partie assez roulante. Vous êtes pas, vous êtes dans un truc beaucoup plus classique. Il faut en profiter. Alors, ce deuxième segment, il fait 9 km et 800 de dénivelé positif. Le segment précédent de Belle Donne, je n'ai pas précisé, il fait quelque chose comme 11 km et 900 de positif. Alors, vous arrivez maintenant à Aberdeckbel et vous allez partir pour un des gros morceaux de l'échappée belle intégrale, c'est le col de la Vache. Voilà. Alors, vous prenez un premier col, qui est le col de l'Arpingon. Alors, celui-là, déjà, là, vous prenez une première baffe. Le col de l'Arpingon, il fait mal. Mais c'est rien par rapport à celui de la Vache. Celui de la Vache, il est, je trouve, plus raide, beaucoup plus caillouteux. Vous avez des gros blocs, quoi. Et la descente après la Vache, c'est quasiment incourable. C'est quasiment incourable. Jusqu'au moment où vous allez arriver à Sedlot. Sedlot, c'est une succession de 7 lacs avec un barrage. Et là, vous allez pouvoir courir. Et vous vous dites, ah ben, c'est fini, je sors du royaume du caillou. Et là, vous avez une descente. Après, Sedlot, il y a des sections un peu plates. Et après, vous avez une descente. Et la descente, elle est super dure à courir. Franchement, moi, j'avais oublié ça. Je n'avais pas ce souvenir de 2017. En 2021, là, je me pointe, je me dis, mais ça ne se court pas trop, ça. Et là, vous descendez. Alors, elle est courte, cette descente, mais elle se court difficilement. Et après, vous arrivez sur une longue section.
une non-section qui peut se courir, qui doit se courir. Vous voyez là le plein-air, vous entendez le plein-air, vous dites, ah ben ça y est, j'y suis, mais vous faites un immense détour de, je pense, 6 km. Voilà, et ça c'est un peu dur psychologiquement. Voilà, mais ça se court, ça c'est un truc qu'il faut se forcer à courir avec une petite descente en DFCI avant, juste à la fin pour arriver au plein-air. Et puis là, vous arrivez au plein-air, vous soufflez, vous en avez fini avec les 62-63 premiers kilomètres qui sont réputés être les plus durs. Alors, j'aimerais préciser quelque chose. Toutes ces montées, la montée à la Croix, la montée au col de la Mine de Fer, la montée au col d'Arpingon, la montée au col de la Vache, sont des montées techniquement dures, mais elles sont courtes. Elles sont courtes. C'est des sections de, je ne sais pas, moi, peut-être maximum 800 mètres. La Vache, ça doit faire peut-être 400 mètres. Enfin, je sais pas, mais c'est court. Vous n'êtes pas, vous partez pas dans la grande aventure, vous allez monter 1200 mètres, 1400 mètres, voire plus. Ça vient juste après. Alors, vous arrivez au plein air, profitez-en. Le plein air, c'est extraordinaire comme ravito. Fin de la première partie, vous pouvez aller manger un plat de pâtes au restaurant de la station. Merci, quoi, mais c'est génial! Vous êtes super bien accueilli, il y a un speaker qui vous pose des questions. Comment vous sentez? Je me sens mal. Est-ce que tu vas continuer? Je vais essayer. Tu sais que le plus dur t'attend. Mince. Et là, vous partez dans la nuit noire et obscure, parce que moi, chaque fois, quand j'arrive là, j'arrive à 20h, 21h, je pars dans la nuit noire et obscure, et vous allez vous prendre, moi, je me prends une baffe, 2017-2021, je me prends une baffe sur la montée pour aller à Val-Loire. Donc Val-Loire, qu'on appelle aussi la montagne de Tigneux, là vous montez, il y a 1200 mètres de dénivelé et ça fait 17 km. Donc vous partez pour un truc comme un peu moins de 17 km, 1230 de dénivelé positif, presque autant je pense en négatif pour arriver au Glaisin, parce que l'étape suivante c'est Plénée Glaisin, et cette montée là, mais elle fait mal. Alors elle n'est pas technique. Mais elle est raide. Cette montée pour aller à la montagne de Tigneux, à Val-Loire, ça annonce une montée qui vient plus tard dans la troisième partie, qui est le col d'Arpingon. C'est une montée où vous avez l'impression d'arriver au sommet, mais non, ça continue. Et puis vous arrivez au... Ah ben non, c'est pas encore le sommet, ça continue. Donc c'est une mise en bouche pour ce col que vous allez faire un peu plus tard. Vous arrivez au sommet, vous avez une descente qui est rapide, qui est globalement agréable, qui va se retrouver à la fin sur un chemin très large, et là, vous arrivez au Glaisin. Et au Glaisin, vous êtes très bien accueillis, c'est vraiment super ambiance, moi j'ai vraiment, ils sont géniaux, hein. Les bénévoles sur l'échappée belle, c'est super agréable. Et vous savez que vous partez pour un truc qui est très dur, parce que non seulement vous allez avoir de l'hypertechnique, mais en plus, vous allez avoir plus de 1400 dénivelés à faire. Donc vous avez 10 km à faire là pour relier le Glaisin à la Périoule. Mais entre les deux, vous avez le col de Morétan. Et ça vous fait 1400 dénivelés, plus de 1400 dénivelés. Hein. Et vous allez passer à 2600 là-haut. Et la fin de Morétan, c'est vertical. C'est pas raide, c'est vertical. Donc, vous partez, pour ma part, dans la nuit, et vous partez là-dedans. Alors, le début, la montée, ça va, c'est assez classique, ça va, c'est caillouteux, mais pas terrible. Et vous arrivez au refuge de Loule. Alors là, vous pouvez tenter le micro-dodo au refuge de Loule. Moi, je l'ai tenté en 2017. J'ai demandé à ce qu'on me réveille au bout de 30 minutes. Au bout de 2 heures, on ne m'avait pas réveillé. C'est l'orage, le froid de l'orage qui m'a réveillé. J'ai perdu du temps en 2017, là. Et cette année, en 2021, j'ai tenté le dodo, et finalement, j'ai impossible de dormir. Bon, ben, j'ai strappé des ampoules naissantes au talon, ça m'a occupé, puis je suis parti. Après ce refuge de Loule, vous entrez dans, pour moi, l'endroit le plus dur du parcours. Voilà. Vous êtes fatigué, vous avez du gros caillou, c'est du très raide, c'est vraiment pas du facile, et vous arrivez à Morétan. Et là, à Morétan, les derniers mètres sont très très raides, vous avez un comité d'accueil. Allez voir ma vidéo, pas pour faire du bas, mais allez la voir pour le comité d'accueil. Ils sont incroyables. Si tu aimes les cailloux, lève les genoux. Si tu aimes les cailloux, lève les genoux. Si tu aimes les cailloux, si tu aimes les cailloux, si tu aimes les cailloux, lève les genoux.
Les mecs, ils font ça, quoi. Ils font ça jour, matin, soir, à moins 4 le soir, dans la nuit. Il fait peut-être 20 ou 25 degrés dans la journée. Bon, ils sont là, ils ont un peps incroyable. Et ben, c'est super. Et vous basculez. Vous basculez. Et là, il y a une descente assez raide. Moi, j'aime beaucoup les descentes techniques. Et d'un coup, vous avez un névé. Alors moi, je suis arrivé là à 6h et quelques, le jour se levait, et le névé, il était dur comme de la pierre. Vous avez une corde, je vous conseille de la prendre. Moi, j'ai voulu l'éviter, puis j'ai glissé, puis après, finalement, je l'ai prise. C'est parce que ça fait mal, le névé dur, il fait mal, quoi. Et après, vous arrivez à la moraine. C'est-à-dire qu'il y a une vieille moraine, là, et vous avez une sorte de dorsale, et il y a une corde, et vous prenez la corde, et vous descendez ce dorsale. Donc, vous avez une descente qui est très technique, et il ne faut pas se casser la gueule. Soyez prudent, la course est magnifique, il faut être prudent quand on est trailer à certains moments, là c'est un moment où il faut être prudent, donc hop, vous réveillez, vous êtes fatigué, mais vous forcez à vous réveiller, vous mettez en mode lucide, et vous faites ça tranquillement, et vous descendez jusqu'à arriver à cette plaine qui est avant la Périoule. Alors ça, c'est la plaine des gros blocs. C'est plat. Vous dites, je vais courir, mais c'est plat, mais je ne peux pas courir. Vous avez d'immenses blocs sur lesquels il faut faire des petits sauts, plus ou moins trouver son chemin, parce que ce n'est pas évident dans ces blocs. Et enfin, vous arrivez à la Périoule. Oh, le ravito, oh, c'est miraculeux ce ravito. Vous arrivez là, mais il y a un ravito à cet endroit, mais c'est un endroit perdu, mais ils ont fait un ravito. Vous êtes super heureux. Et il y a trois tentes, et voilà, c'est super. Alors là aussi, ils sont énormes, là, on est super bien accueillis. Vous pouvez prendre un petit bol de soupe avec des pâtes, là. Bon, moi j'ai pris le petit déjeuner, puisqu'il était tôt, dans la matinée du samedi, quand je suis arrivé à la Périoule. Et vous dites, c'est ce que je dis dans ma vidéo, je dis en partant de la période, je dis « Ouais, c'est fini les gros cailloux !» On se souvient très très mal. Entre 2017 et 2021, il y a quelques années d'écart, et je me souvenais très très mal parce que c'est pas fini les cailloux. Donc vous tapez une petite partie en plaine après la Périoule. Alors là, vous prenez direction super collée. C'est un segment court, il y a 9 km et un truc comme 700 dénivelés positifs. Et donc, vous avez une petite plaine qui se court très bien, et puis vous avez une descente. Et cette descente, moi, je l'ai trouvée pas facile. Caillou, quoi. Et vous arrivez sur une DFCI, là, vous êtes trop bien la DFCI. Et je me souvenais qu'en 2017, après la DFCI, il y avait un mur. Il y a un mur. Vous tapez des rampes. Alors, techniquement, c'est pas dur, hein, il n'y a pas de cailloux, rien du tout. Mais c'est un sacré mur. Donc, faites gaffe. Après la Périoule, prenez le temps quand même de vous refaire un peu, parce que ce mur, il est très, très casse-jambes. Il est court. Il y a peut-être, je ne sais pas, peut-être 400 dénivelés, peut-être 500. Mais ils y sont et c'est bien raide. Après, vous arrivez sur un chemin qui suit une ligne de niveau et qui va vous amener jusqu'à Supercollet. Attention, il y a quelques kilomètres à faire. Je dirais qu'il y a bien 5 kilomètres à faire, hein, sur ce petit chemin. Tac, 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 tac. Et vous arrivez à Supercollet. Deuxième base de vie, oui, parce que je l'ai pas dit, le plénier est une base de vie où vous pouvez changer de chaussures. Pour ma part, je ne change pas de chaussures au plénier, c'est beaucoup trop tôt. Je garde mes chaussures les plus techniques jusqu'à Supercollet, parce que Morétan, c'est très technique, et donc je préfère garder mes chaussures les plus techniques. Et c'est à Supercollet où je sors les pantoufles, les godasses confortables pour finir la course. Alors Supercollet, c'est une station. Station, vous avez votre base de vie, vous avez votre sac. La deuxième, la dernière fois, vous avez votre sac d'allègement. Et vous partez pour quand même, à partir de Supercollet, vous partez pour deux segments qui vont être longs. Le premier fait 17 km et le suivant, il fait 18. Alors le premier qui va de Supercollet jusqu'à Valpelouse, il fait 17 km. Mais surtout, vous allez faire presque 1600 de dénivelé en tout positif. Parce que vous allez passer le fameux col d'Arpingon. Moi, je trouve qu'il est très dur, ce col d'Arpingon. Je vais vous dire pourquoi. Donc, vous partez de Supercollet, vous avez une montée que j'ai qualifiée de crétine, dans le sens où bon, vous remontez, il y a un télésiège, vous prenez un truc raide à côté du télésiège, et puis vous basculez et vous retournez en sauvagerie. En sauvagerie, j'adore le côté sauvage de Belledonne, et vous retournez en sauvagerie avec une descente qui se court, hein, franchement qui se court, et vous arrivez à une rivière, et là, la descente est longue, au fait. Vous arrivez à la rivière, et là, paf,
Début du col d'Arpingan. Alors, le col d'Arpingan, c'est un col dont vous ne voyez jamais la fin. Vous montez, vous arrivez à un repère, regarde, c'est le col. Ah ben non, ça continue. Ça continue, il y a une ligne de niveau, et puis hop, vous prenez un autre rayon, vous dites, ben, c'est le col. Ah ben non, parce qu'il y a une autre ligne de niveau, et puis vous voyez au loin un autre truc, vous dites, ben, c'est le col. Vous montez et vous dites, là, je suis arrivé au col d'Arpingan. Non, vous n'êtes pas arrivé au col d'Arpingan. Le col d'Arpingan, il est là-bas. Et d'ailleurs, quand vous arrivez au col d'Arpingan, vous redescendez, vous retapez un passage caillouteux, une brèche, pour basculer après sur une descente qui vous amènera à Valpelousse. Une descente que je ne trouve pas facile, c'est un monotrace usé qui mélange terre et cailloux. Je ne le trouve pas facile, en tout cas le début, là, il n'est pas facile. Et après, ça commence à devenir roulant. Ça commence à... Waouh, super! Vous arrivez à Valpelousse, vous dites, je suis trop content. Là, pour le coup, vous venez de quitter réellement le royaume des cailloux. Mais vous voyez, vous le quittez réellement à Valpelousse, en fait. Alors, puisqu'on parle col d'Arpingan, j'ai oublié de mentionner un truc, c'est qu'il y a des surprises sur l'échappée belle. Il y a des ravitaux non prévus. Oh! Alors ça donne un grand coup de boost. Il y en a un dans la dernière section du Plainé, vers Sept-Lots. Il y en a un autre à Val-Loire, donc quand vous montez la montagne de Tigneux, là, entre Plainé le Glaisin. Et puis il y en a un dans la première partie de l'ascension du col d'Arpingan. Vous montez une première ligne, comme ça, un premier chemin qui va suivre une ligne de niveau. Et là, vous avez aussi un ravito surprise. Ces ravito surprises sont essentiellement des points d'eau. Sur les gros segments comme l'antépénultième et le pénultième, franchement, ils sont vraiment super bienvenus. Donc, merci pour ces ravitaux, surprises. Merci, échappée belle. Ne comptez pas trop dessus quand même. Préparez-vous à ce qu'ils ne soient pas là, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Si une année, ils ont un peu moins de bénévoles. Bon, vu l'engouement de la course, je pense pas, mais comptez pas trop dessus. Mais je vous les signale quand même, ces heureuses surprises, c'est vraiment top. Et donc Valpelousse, alors Valpelousse, vous arrivez à Valpelousse et vous partez, vous partez pour un long segment, 18 km, 900 de dénivelé par contre, moins que le reste, et vous commencez par une montée en alpage encore pour rejoindre une dorsale et une très belle descente qui se court très bien, vraiment un plaisir cette descente. Vous arrivez à une résurgence, il y a une résurgence, vous passez un pont, il y a une résurgence, vous chargez votre gourde, vos gourdes, et vous partez pour ce qui est la dernière ascension d'ampleur, je dirais, mais qui se fait très bien, franchement. C'est très classique, c'est avant tout l'alpage, il n'y a pas de difficulté technique, et vous montez comme ça, là, moi je trouve assez rapidement, jusqu'au sommet du Grand Chat. 1800 mètres, je crois, sommet de Grand Chat, magnifique vue, et vous partez sur une descente qui est... Quel plaisir. Bon, le problème, c'est que vous pouvez la courir vite. Moi, ça m'a fracassé les jambes de la courir vite. Mais ça m'a permis, pour l'édition 2021, c'est là où vraiment j'ai fait la différence sur 2017. J'étais tout le temps en retard, en fait, sur 2017. Sauf dans ce dernier segment où j'ai refait tout mon retard, qui était de 1h30, et même au-delà, puisqu'en 2017, j'étais arrivé à minuit 44, je crois, soit un truc comme 42h et 44 minutes de course. Et en 2021, j'étais persuadé que j'allais finir à 3h du matin, jusqu'au moment où j'ai réussi à renverser la vapeur, c'est-à-dire... Je me suis un peu énervé dans le col de l'Arpingan, et puis surtout dans ce segment qui va de Valpelousse au Ponté, donc l'avant-dernier, là vraiment je me suis vraiment énervé, aussi bien dans les montées et vachement dans les descentes, parce que je sentais que ça devenait possible d'arriver avant minuit. Et finalement, je suis arrivé juste un peu avant 23h, je suis arrivé à 22h54, soit 41h, 22h de course, parce qu'en 2021, on n'est pas parti qu'à 6h, on est parti à 5h30, j'étais dans la deuxième vague. Alors bon, cette descente, elle va super vite, elle vous explose les jambes si vous la faites, mais ça vaut le coup de les exploser, parce qu'après, vous arrivez sur une section qui est plate, en sous-bois, dans un terrain qui est souple, et qui va vous amener, il y a bien 3 km, si ce n'est pas 4 km, genre il y a 4 km, qui va vous amener jusqu'au Ponté, dernier ravito. Et là, vous arrivez au Ponté, vous remplissez votre gourde, et puis vous partez immédiatement, il n'y a pas à traîner. Je pense qu'il n'y a pas à traîner quand vous arrivez au Ponté.
quelle que soit votre étape. Parce que la suite, c'est 13 km. Alors, quand je suis au ravito, ils m'ont dit, ah, comptez 13, peut-être même 14. Je pense que c'est 13 km. Mais c'est parti, c'est pas mal si on se dit 14, c'est toujours mieux pour le moral après, finalement, de se préparer à plus dur et avoir un peu moins dur. Et donc, cette dernière section, c'est une montée bien, bien raide. Il y a un micro, je sais même pas si c'est un micro-mur, je veux dire, il y a un mur qui fait 400 et quelques mètres de montée. C'est bien, il est très sec, il est très raide. Vous arrivez à Fort-Mont-Gilbert. Et à partir de Fort-Mont-Gilbert, c'est Fort-Mont-Gilbert, eh bien, vous avez une descente qui se fait vraiment bien, sur des chemins plus ou moins larges au début, une petite section avec des lacets, mais qui est très courte, et après, c'est un final assez, avec des petites sections de pente assez directes qui vous amène jusqu'à Aiguebel. Ça, ça se fait bien, ça se fait vite. Il faut juste, si vous avez les jambes un peu ouvertes en descente, il faudra peut-être un peu serrer les dents. Si vous avez un peu mal aux pieds, il faudra peut-être un peu serrer les dents. Mais franchement, moi, j'ai suivi deux coureurs du 60, Émilie et Jérôme, et je les ai suivis. Ils étaient frais. Enfin, ils étaient frais. Ils étaient plus frais que moi, bien entendu. Je me suis accroché. Et c'est allé vraiment vite. C'est-à-dire qu'on a mis peut-être 2 heures pour faire ces 13 derniers kilomètres et 500 dénivelés. Et 1000 peut-être, il doit y avoir bien 1000 hein, ou peut-être plus de 1000 hein, en négatif. Donc voilà, on est allé, je trouve, pour moi, hein, pour mon niveau, je pense qu'on est allé vite. Et voilà, et là vous arrivez à Aiguebel. Les derniers kilomètres d'Aiguebel, c'est le dernier, les deux derniers même, c'est du plat et c'est un des rares endroits où vous avez de la route. Mais bon, vous êtes assez content, quoi, au 148e kilomètre d'avoir un peu de route, vous ne crachez pas dessus. Je vous dis, hop, finalement, c'est pas mal le bitume, c'est pas mal. Et vous arrivez et vous êtes finisher. Vous arrivez dans le parc d'Aiguebel, vous êtes super bien accueilli et on ne vous met pas une médaille autour du cou. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on ne vous met pas une médaille autour du cou. Je veux dire, je redoutais la médaille. Je veux dire, en 2017, on avait eu ça, l'échappée belle. Je trouve ça très sympa, très utile, très pratique. Regardez, c'est beau. Hein. Voilà, hein, c'est sympa. Bon, on avait eu ça, c'est super, je suis content. Il pleut, je le mets. En plus, il est manche courte, c'est le seul que je possède manche courte. Je suis très content. Et là, en 2021, je dis, bon, je ne demande surtout pas quel est le cadeau finisher, surtout pas, parce que si on me dit que c'est une médaille, psychologiquement je risque de craquer, et là je me dis, bon, qu'est-ce que ça va être, pour vous que ça soit pas une médaille, on ne met pas de médaille, je suis super content, vous saisissez la cloche d'Aiguebel, vous la faites sonner, très important, parce qu'en 2017, j'avais oublié de la faire sonner, c'est un peu idiot, ça fait partie du plaisir de cette course, et votre cadeau finisher, et vous savez ce qu'on a eu? Un sac, magnifique sac, Dynafit, là, de sport. Ça fait sportif, hein, vous le mettez comme ça. Vous le mettez comme ça. Hein. Ouh, je suis sportif, moi. Alors, j'en avais pas, j'ai mis tout mon matos de trail dedans, super content. Merci, comme ça fait plaisir, parce que quand même, c'est mieux un sac qu'une médaille. Parce que si tu veux ranger tes affaires dans une médaille, tu même en forçant, tu n'y arriveras pas, quoi. Alors, je reviens sur mon leitmotiv. Arrêtez les médailles. On n'en a rien à foutre. On n'en veut pas. D'ailleurs, petite anecdote de Bertrand du Trail Club de Provence qui était sur la course, qui a aussi fait l'intégrale avec Gibus, l'autre coureur du TCP qui était sur l'intégrale. Ils sont tous les deux finishers. Et Bertrand me disait que lors d'une course, on lui a passé une sorte de petit trophée en bois. Bon, ben, l'hiver dernier, il s'en est servi pour allumer le feu. Bon, tu vas me dire, le petit trophée en bois, tu peux t'en servir pour allumer le feu, alors que la médaille, même pas. C'est nul. Alors voilà, c'est fini pour ce débriefing de l'échappée belle. En résumé, une course incontournable, une référence dans les ultra-trails difficiles, vraiment une référence, c'est un véritable défi, ça permet de vous jauger, un esprit très particulier, une sorte de course complémentaire à l'UTMB qui a lieu une semaine avant, mais qui est dans un autre état d'esprit, voilà. Un paysage magnifique sur cette dorsale où vous volez au-dessus de la vallée du Grésivaudan, avec en face l'Oisans, le Mont Blanc, la Chartreuse, le Vercors, Tête Rousse. Bref, je vous souhaite de faire cette course, je vous souhaite de mettre tout
tous les atouts de notre côté pour la terminer, de la terminer. Je vous souhaite d'avoir envie d'y revenir et peut-être que je ferai une troisième participation, on ne sait jamais, à l'intégrale de l'Échappée Belle en tant que bénévole. Donc j'aurai l'occasion peut-être de vous voir.